وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Mes frères et mes sœurs, on continue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication des sourates du Coran al-Karim. Nous allons voir tout d'abord sourate al-Zalzala, ou al-Zalzala. Cette sourate, dans l'ordre d'organisation du Coran, c'est la 99e, elle est de 8 versets, et cette sourate, elle est post-égyrienne, c'est-à-dire après l'Égypte, madaniyya. Et dans l'ordre de révélation, c'est la 93e sourate qui a été révélée. Al-Zalzala, ça veut dire la secousse ou le tremblement. Il a été rapporté dans un hadith acceptable qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit « Quand le verset « Ida zulzilatil ardu zilzalaha » ou la sourate a été révélée plutôt, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu était assis, en train de pleurer. Il était assis, il a commencé à pleurer, radiallahu anhu. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, qu'est-ce qui te fait pleurer, ya Abu Bakr? Il a dit, c'est cette sourate qui me fait pleurer, au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, si vous ne faisiez pas d'erreur, et que vous ne faisiez pas de péché, Allah créerait des gens ou une communauté qui font des erreurs et qui font des péchés, et Allah leur pardonnerait. Il est clair que quand les cœurs vivants entendent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la crainte envahit leur cœur. Et c'est ce qui est arrivé à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des paroles d'espoir pour équilibrer entre la crainte et l'espérance. Car ça, c'est ce qui est demandé du croyant, c'est d'avoir un équilibre entre la crainte et l'espérance, et non pas de pencher beaucoup plus vers la crainte jusqu'au point de désespérer, ou bien d'avoir trop d'espérance jusqu'au point de ne pas craindre de faire les péchés. Mais il faut un juste milieu, bien qu'il y a des moments où la crainte doit être un peu supérieure à l'espérance, en général. Surtout quand on est jeune, quand on est entouré du haram, il faudrait que la crainte elle soit un peu devancée par rapport à l'espérance. Et il y a d'autres moments où l'espérance doit devancer la crainte, c'est quand on est malade, quand on est faible, après avoir fait le péché. Il faut que l'espérance soit plus grande pour qu'on puisse se repentir et revenir. Avant d'avoir fait le péché, il faut que la crainte soit supérieure. Mais après avoir fait le péché, il faut que l'espérance soit plus grande pour que ça nous encourage à se repentir et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. De même, au moment de la mort, il
faut que l'espérance, on ait une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans la hadith. Ce verset, barakallahu fikum, ou cette surah plutôt, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ. On vous a déjà dit que le basmala, ça fait partie du Coran. Même toutes les basmalas que l'on dit entre les sourates, ça fait partie du Coran. Allah tabarak wa ta'ala l'a dit. Sauf que cela fait ni partie de la sourate d'avant, ni de la sourate d'après. C'est un verset, c'est une parole à part entière du Coran. Mais ça ne fait pas partie des versets de la sourate d'avant ni des versets de la sourate d'après. C'est ça le Qawl, Inch'Allah, Sahih, concernant le Basmala. Le seul endroit où il n'y a pas le Basmala au début de la sourate, c'est sourate Tawbah, où il n'y a pas la Basmala au début. Et certains voient même que la sourate d'avant et Tawbah en vérité ne font sont une suite, et d'ailleurs qui parlent des mêmes sujets, c'est pour ça en vérité qu'il n'y a pas de basmala entre les deux. Bien que sahaba se sont mis d'accord à ce que ce soit deux surahs différentes, mais sans mettre la basmala, car ça n'a pas été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Quel est ce jour-là? C'est le jour du jugement dernier. Quel est ce jour-là? C'est le jour où Allah Ta'ala parle aussi dans d'autres surahs ou dans d'autres versets plutôt. Comme on a dit, le fracas, le qari'ah, on l'a vu. Le jour aussi où Allah Ta'ala dit, « Oh vous les gens, craignez votre Seigneur, car la secousse de l'heure est une chose, est une affaire très grande, est une chose énorme. Le jour où vous allez la voir, toute femme qui a allaité, toute nourrice, délaissera ce qu'elle a allaité. » Elle ne s'en souciera guère. Et toute matrice, toute personne qui a quelque chose dans sa matrice, il va le laisser. Elle va le poser. Et tu vois les gens ivres. Mais ils ne sont pas ivres. C'est plutôt le châtiment d'Allah qui est dur. Tellement ce jour-là, la secousse est forte et le châtiment est dur, que les gens sont sous. On a parlé de ça déjà dans Sourate Al-Qari'ah. Comment les gens sortent comme des sauterelles ou comme des papillons éparpillés, comme des gens sous qui n'ont pas une trajectoire rectiligne. Ils vont dans tous les sens. Voilà le jour dont Allah tabarak wa ta'ala parle ici. Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Wa akhrajatil ardu Afqalaha, et que la terre fera sortir l'afqal, ses fardeaux, ce qu'elle porte. Qu'est-ce qu'elle porte, la terre? Les morts qui sont dans la terre, qui, quand le deuxième souffle dans la trompe sera fait, quand Israfil soufflera une deuxième fois, ils vont tous se lever des tombes. Donc ils vont sortir des tombes. Et c'est ça que la terre va sortir. Elle va sortir tous les morts qui vont être ressuscités ce jour-là. Pour être jugé, pour être présenté au Seigneur et Maître des mondes, subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-insanu ma laha. Ce jour-là, l'être humain, le genre humain, tellement il va être étonné de cette affaire, tellement l'affaire va être grave et dure, il va dire ma laha. Qu'a-t-elle? Qu'est-ce qui lui arrive à la terre, à sortir, à se secouer, à ce que les montagnes soient devenues poussières? Qui soit comme de la laine cardée, comme du coton éparpillé, et que la terre elle est secouée et qu'elle sort ce qu'elle a en elle. Qu'est-ce qu'elle a? Que se passe-t-il? Tellement il est étonné de la grandeur de ce jour-là. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا.
Ce jour-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle comptera son histoire. Akhbaraha. C'est quoi? Ma akhbaruha. Qu'est-ce qu'elle a raconté ce jour-là, barakallahu fikum? Tout ce qui s'est passé sur elle. Tout ce qui s'est passé comme vrai, comme faux, comme bien, comme mal, comme situation, elle va le compter. Allah tabaraka wa ta'ala, il peut faire parler qui il veut. Il a déjà fait parler auparavant d'autres créatures. Et comme il va faire parler encore d'autres créatures qui ne parlent pas. Quand ici, Allah ta'ala dit, « يَوْمَ يَدِينَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا » Selon ce que ton Seigneur lui aura ordonné. Donc par l'ordre d'Allah, quand Allah décide subhanahu wa ta'ala quelque chose, cette chose elle est. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a dit, il a créé les cieux et la terre, et il a dit au ciel et à la terre, venez bon gré ou mal gré. Et ils ont parlé. Ils ont dit, on est venu bon gré, obéissant. Donc Allah ta'ala, il fait parler qui il veut. Quand il a créé le qalam, la plume, et il lui a dit, écris, et la plume a parlé. Qu'est-ce que j'écris au Seigneur? Donc Allah, il peut faire parler le ciel, la terre, il peut faire parler la plume, il fera parler la terre le jour du jugement dernier, il va faire parler nos mains, nos bras, nos jambes, toutes choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala décide de faire parler, il le fait parler. Hada bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Pourquoi elle va yawma idin tuhadithu akhbaraha? Ce jour-là, elle comptera son histoire. Est-ce qu'Allah il n'est pas au courant de ce qu'on fait? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas témoin des actes que l'on fait? Allah est témoin. Il n'a pas besoin que la terre elle lui raconte ou que quelqu'un lui raconte ce qui s'est passé. Il est connaisseur de toutes choses. Il englobe toutes choses de sa science, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun souci. Walakin liqamatil adl. C'est pour établir la justice. Si le criminel il est tellement criminel, tellement il polémique dans le faux, qui serait capable de dire, ya Allah, j'accepte pas ton témoignage, c'est toi qui me juges, comment j'accepte ton témoignage? Imagine, c'est-à-dire criminel, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus juste qu'Allah? Allah Ta'ala, il ramène des témoins. La terre, tiens, la terre où tu as fait l'acte, elle parle. Ta main, c'est avec ta main que tu as touché cette chose. Regarde ta main, qu'est-ce qu'elle raconte. Ton bras, ta jambe, c'est avec tes pieds là, tu as marché vers cet endroit-là. Regarde ce qu'elle dit. Toute chose. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mu'adhin, celui qui appelle à la prière, s'il élève la voix pour que toute chose qu'il l'entend, que ce soit une chose vivante ou jamad, ou quelque chose inerte, elle témoignera pour lui le jour du jugement dernier. Allah, il va les faire parler, ils vont témoigner. Ça, c'est pour que la justice soit établie. Que personne ne puisse nier la réalité. Et le mécréant et le pervers, ils vont parler à leurs membres. Pourquoi vous témoignez contre nous? Pourquoi tu témoignes contre moi-même? Ils diront, c'est Allah qui nous a fait parler, celui qui a fait parler toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait parler ce qu'il veut. Nous, en tant que croyants, on accepte ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous révèle. On n'est pas comme l'aqlaniyin, les gens qui jugent le Coran sous leur raison. Ils vont dire comment un être inerte il va témoigner, ce bout de bois là il va parler. Et alors ton bout de langue là, c'est un bout de chair, comment Allah Ta'ala il l'a fait parler? C'est un morceau de chair, c'est comme si tu prenais un morceau chez le boucher, tu le poses, il parle. Qu'est-ce qu'il a de plus ta langue là avec les cordes vocales? C'est Allah Ta'ala qui a fait ce système pour que ça parle. Si Allah il veut, il peut faire parler ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Quelle différence entre faire parler ce morceau de chair qui est dans ta bouche et faire parler un morceau de pierre. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, de quoi il parlera? De ce qu'Allah Ta'ala lui aura ordonné de faire. C'est-à-dire, Allah lui a ordonné de parler, il va parler de tout ce qui s'est passé. La terre va parler de tout ce qui s'est passé sur elle. Bi'anna rabbaka wahalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ce jour-là, les gens sortiront éparpillés séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Comment ça éparpiller et séparément? Naam, on a déjà dit ça dans Sourate Al-Qari'a. Ils vont sortir, comment ils sortent les papillons, comment les sauterelles elles sortent, éparpillées dans tous les sens, n'est-ce pas? Ahzaban aussi, en groupe,
Ils vont sortir Zumara, des groupes et des groupes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que comme ici, on voit qu'entre des groupes de gens, des gens dans la société, il y a des différences. Alors les différences dans l'au-delà sont encore plus grandes. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, regarde comme on a préféré certains sur d'autres dans ce monde. Mais l'au-delà, c'est encore des plus grands degrés et plus encore de différences que ce bas monde. Fahakada, ils vont sortir en groupe. Les groupes des muttaqin, les groupes des fasiqin, les groupes des kuffar, les groupes des adorateurs des tombes, les groupes des adorateurs des statues, les groupes des je ne sais quoi, en groupe. Inch'Allah, qu'on soit dans le groupe des gens pieux et dans le groupe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ses suiveurs. Yawma yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pour qu'on leur montre quoi ? Leurs œuvres. Leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, petites ou grandes. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala parle du criminel le jour du jugement dernier. Il va parler du livre où ses œuvres sont notées. Il va dire, ma hadha al-kitab. Qu'est-ce qu'il a ce livre ? Il n'a pas délaissé une petite ni une grande chose sans qu'il l'ait dénombré, décompté, écrit. Wa wajadu ma amilu hadira. Ils vont trouver tout ce qu'ils ont fait comme acte présenté devant eux, présent. Et ton Seigneur n'opprime personne, subhanahu wa ta'ala. Quand le criminel dira, qu'est-ce qu'il a ce livre ? Il n'a pas délaissé ni une petite ni une grande chose. Abdullah ibn Abbas, il a dit, ni un petit sourire ni un grand. Pour montrer que même ça, c'est dénombré. Ni un petit sourire ni un grand. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va passer, akhi ? Si le petit sourire et le grand sourire, il est noté, qu'est-ce qui va passer, barakallahu fik ? Non, on va leur montrer leurs œuvres. Pour que leurs œuvres soient témoins pour ou contre eux. Tout sera présenté. Sauf ce que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu cacher ou pardonner déjà dans ce monde. On sait très bien que les bonnes actions effacent les mauvaises. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit ça. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Donc sauf ce que Allah ta'ala nous aurait effacé dans ce monde. Par le pardon, par l'istighfar, par les du'as, par les bonnes actions, par sa grâce, par ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, par les prières obligatoires. Al-muhim, cela alhamdulillah. Ce qu'Allah aura pardonné, ce ne sera pas visible, inshallah. C'est comme si on ne l'a pas fait. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith sahih, ou le hadith hassan, plutôt acceptable, rapporté par Ibn Majah, celui qui se repent d'un péché, c'est comme si il ne l'avait pas commis. C'est comme celui qui n'a pas de péché. Naam. Et ce jour-là, où il va y avoir deux groupes, le groupe des gagnants, le groupe des perdants, le croyant, quand il va voir qu'il est perdu, quand il va voir ses œuvres, quand il va se rappeler ses péchés, ses manquements vis-à-vis de son Seigneur, et Allah tabaraka wa ta'ala va l'approcher et va lui faire reconnaître, reconnais-tu tel péché ? Il va dire, oui, ya Allah, reconnais-tu tel péché ? Oui, ya Allah. Jusqu'à qu'il croit que ça y est, il est perdu. Il voit tous les péchés qu'il a faits. Il se croit perdu. Il se croit voué à la perte. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, comme je te les ai cachés en ce monde, je te les cache aujourd'hui. Et il lui pardonne. Et il lui fait miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et il entre au paradis par sa grâce et sa miséricorde. Allahumma ja'alna min ha'ula. Na'am. Et t'as l'autre, le criminel, qui va yujadil bil batil. Même devant Allah, yujadil bil batil. Il n'a pas honte. Déjà, il est en tort. En plus, arrivé devant l'wahid al-dayyan, encore yujadil bil batil. Encore, il ne reconnaît pas. Non. Certains vont dire, « Ma kunna mushrikin. Wallah, on n'était pas mushrikin. Les mushrikin, c'est mushrikin. » Ils disent, « Wallah, on n'était pas. » Non, ce n'est pas vrai. Jusqu'à que, subhanallah, leurs membres ils vont témoigner, les choses ils vont témoigner contre eux. « Yawma yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. » Ici, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ici le man les shartiyya tufidu l'umum, ça veut dire tout le monde, tous ceux qui vont faire cela ils sont concernés, tous ceux qui font le poids d'un atome, c'est pas l'atome aujourd'hui, l'atome que nous on connaît chimiquement, ceux qui connaissaient pour eux les arabes dharra pour eux c'est ce qu'il y avait de plus petit. C'est ce qu'il y avait de plus petit.
C'est pas notre compréhension d'aujourd'hui, et dharra. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de plus petit, un atome. Aujourd'hui, on sait que c'est un atome ce qu'il y a de plus petit. Ad-dharra, yudrab masalan ou yuqal, li asghari shay. Ad-dharra, on le dit à la plus petite chose qui existe. Si demain on trouve encore d'autres choses qui sont plus petites, bah c'est ça, ad-dharra. Non. Donc, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui, alors celui, c'est-à-dire بِسَبَبِ, à cause de ce qu'ils ont fait, alors, tout de suite, celui qui a fait un point, un atome de mal, il le verra. Celui qui voit un atome de bien, il le verra. Ces versets, بَرَكَ fiikum, cela prouve que les actes vont être pesés. Parce que ici, Allah tabarak wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Celui qui fait le poids d'un atome, d'acte, c'est-à-dire un acte qui pèse مُقَدَّر. C'est estimé qu'il parle d'un acte ici. Un acte qui pèse le poids d'un atome. Donc c'est pour ça que les ulama ont divergé. Qu'est-ce qui sera pesé le jour du jugement dernier? Certains se sont basés sur ce verset pour dire que ce qui sera pesé, ce sont quoi? Ce sont les actes. Les actes qui sont faits par les gens. D'autres ont réfuté cela en disant, mais comment les actes sont, c'est quelque chose d'immatériel. Un acte, c'est immatériel. Comment c'est pesé? On répond, Allah fait comme il veut. Subhanahu wa ta'ala, s'il veut peser quelque chose d'immatériel et lui donner un poids, il fait ce qu'il veut. Yaf'alou ma yurid. Ma'alayna illa nusaddiq. On n'a que nous à croire en ce que Allah ta'ala nous a dit. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux paroles qui sont légères sur la langue, lourdes sur la balance et aimées par le miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc ça prouve que ces paroles, elles sont pesées. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elles sont lourdes sur la balance. Une parole, c'est matériel? Non. Donc si Allah veut, il fait peser ce qu'il veut d'immatériel. On répond aussi, certains ulama ont répondu aussi, qu'Allah est capable de les matérialiser. Sous des images ou sous une forme qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et les faire peser selon le poids qu'elles ont comme action. Hada, en ce qui concerne le fait, ceux qui disent que ce sont les actes qui sont pesés. D'autres savants disent que ce sont les livrets et les archives de livrets de tout ce que tu as fait qui sont pesés. Dans lesquels les actes sont notés. Les livrets dans lesquels les actes sont notés, pas les actes en eux-mêmes. Et ils se basent sur cela, par rapport au hadith sahih, que la personne, on va ramener des livrets et des livrets jusqu'à l'horizon de péché qui vont être mis sur la balance. Et on va ramener un petit papier écrit dessus, la ilaha illallah. Ils vont le poser sur l'autre côté de la balance, ça va faire sauter tous les péchés. D'ailleurs, le serviteur va dire, qu'est-ce qu'il va faire ce petit papier par rapport à tous mes archives et mes livrets de péchés? Mais la ilaha illallah, sincèrement, c'est plus lourd que tout ça. Walhamdulillah. Donc ça, c'est la preuve que les feuillets et les livrets et les archives, les livres dans lesquels sont notées les actions, ça va être pesé. La troisième parole des savants, c'est que c'est les personnes elles-mêmes qui sont pesées. L'homme en lui-même, la femme, elle est pesée. Quelle est la preuve de cela? Le hadith où Abdullah ibn Mas'ud, une fois, est monté sur un arbre pour couper des branches du bois de l'Arak. Le bois de l'Arak, c'est ce avec quoi on fait le siwak. On se brosse les dents. Et le vent est venu soulever un peu son izar, son pagne. Les compagnons ont vu ses jambes qui étaient comme des bâtons. Ils ont rigolé parce qu'il était fin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jambes d'Ibn Mas'ud sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Ça prouve quoi? Que les jambes d'Ibn Mas'ud, elles vont être pesées. N'est-ce pas? Donc la personne, elle va être pesée. Est-ce que quand on dit la personne va être pesée, c'est le poids qu'elle a? Ça veut dire si la personne est pesée, aujourd'hui la personne musclée qui est lourde, il va peser lourd. Et la personne qui est fine, elle va peser légère. Non, pas du tout. C'est la valeur des actions qui va peser lourd ou non. Non pas son poids physique. La preuve, c'est déjà le hadith d'Ibn Mas'ud ici, qui était fin, mais pourtant,
ses jambes, ses mollets vont peser dans la balance plus lourd que la montagne de Uhud. Et aussi l'autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on va ramener la personne qui est bien pleine, qui est bien en chair, costaud, le jour du jugement dernier, et il ne pèsera pas le poids d'une aile de moustique, parce qu'il n'a pas fait de bonnes actions, ou peu. Donc ce qui prouve que ce n'est pas le corps matériel, la chair, les os qui vont peser lourd dans la balance, mais les bonnes actions que la personne a faites. Donc sahih, inshallah, comme il n'y a pas de ta'arud, il n'y a pas de contradiction entre ces trois. Et il y a une preuve dans les trois, comme quoi les actes sont pesés en eux-mêmes, comme quoi les livrets dans lesquels les actes sont pesés, comme quoi la personne qui fait l'acte est pesée. Donc inshallah, Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Certains, ce sera leurs actes qui seront pesés, d'autres, ce sera leurs livrets, d'autres, ce sera eux-mêmes qui seront pesés. Quoi qu'il en soit, ce sera pesé avec justice, bi-idnillah subhanahu wa ta'ala. Ça donne le même résultat, que ce soit ses actes en eux-mêmes, ou les livrets des actes, ou lui-même. Le résultat final, ce qui va peser lourd, c'est la valeur des actes. Non. C'est pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour montrer la justice et la justesse du compte, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Et celui qui fait le poids d'un atome de mal, il le verra. Donc, la balance de la justice, elle sera posée le jour du jugement dernier. Et aucune âme ne sera opprimée, ne fût-ce le poids d'un atome. Naam, alhamdulillah. Et certes, Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'est pas oppresseur envers ses serviteurs. S'il châtie quelqu'un, c'est par sa justice. Et s'il lui pardonne, alors c'est par sa grâce. C'est pour ça qu'on demande qu'Allah Ta'ala agisse avec nous par sa grâce. Si on demande qu'Allah agisse avec nous par sa justice, on est tous perdus. Est-ce que si c'est avec la justice, est-ce qu'on peut rembourser le bienfait d'une respiration? On peut rembourser le bienfait d'un œil? On peut le rembourser. Alors le bienfait de l'islam, alors comment tu vas rembourser? Mais alhamdulillah, Allah Ta'ala est miséricordieux. Et on demande qu'il agisse avec nous par miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Naam.